talento straordinario. Uomo di non facile gestione, ma ha un metodo tutto suo, che gli permette di fare molto bene quello che fa. Vuoi sposarmi? La verità è sempre da un'altra parte. Non posso fare quello che mi hai chiesto, lo capisci? E allora ho promesso a tutti che avresti salvato la Francia. Combatterai. My wife's a very fascinating woman. A famous artist. Rosalind, my darling. More radiant than ever. Is he okay, honey? Professore, ci siamo. Lasciamo a lei. Nera. Ho voglia di staccare dall'ansia generale, tuffarmi dentro il mare. Non ti devi preoccupare, mamma. Una Ferrari! Che cosa? Testa rossa! Oh, Magno Pioi! Sono io, tesoro! Ho anche i baffi! Il volante! Immagina che questo qua in fondo è il mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è un gioco? E lei non gioca mai. All'otto. E beh, se non gioca lei con questo nome, fortunata. Why don't you try observing the people around you? Non so cosa mi è successo quella notte, ma il mio passato è stato di colpo cancellato. Bentornati a Fuori Onda. Viaggio lungo le coste del Mediterraneo. Le sue storie, la sua gente. Siamo tra il 1700 e il 1800, da qualche parte, in Liguria. Le risate, mi sono spanciato con quei tacchi e le astorde sul selciato. Io sono senese. Sono italiano anche lì, sì, io sono senese. Il 1859 è stato l'avvio di tutto. Considering that the ways to suppress the slave trade hitherto attempted by the European governments. Save your breath. Entrate nella mia casa di vostra volontà. Sono il Conte Dracula e vi do il benvenuto. Ho creduto veramente che... di essere diventato nonno? Ti sarebbe piaciuto? Mi sono senese. Buonasera, bonsoir. Il est 18h04, un nouveau rendez-vous de la route enchantée des régions italiennes. Cette initiative a été réalisée par l'Institut de culture de Rabat avec Rai Cinema, Film Commission et la Casa del Cinema di Roma. Comme vous avez pu le voir d'après ce long trailer qui a été envoyé en onde, nous sommes en Ligurie. Vous avez le port de Gênes derrière moi. Et il s'agit d'un rendez-vous particulier. Il y a beaucoup d'invités et tous connaissent très bien la situation cinématographique présente et passée de la Ligurie. Et la parole à la directrice, Madame Caller, à Rabat. Bonsoir à tout le monde. Mes salutations les plus cordiales de l'Institut italien de culture de Rabat. Je suis heureuse de continuer le voyage par les régions italiennes et les sets cinématographiques par une région très connue dans le monde entier, la patrie, la terre de grands noms qui ont marqué toutes les époques historiques de l'Italie et du monde entier. Permettez-moi de remercier de leur présence ici Oreste De Fornari, journaliste et auteur, Renato Venturalli, écrivain, et Francesco Vei,
Cristina Bolla, présidente du Genova Liguria Film Commission, Cristiano Palozzi, Genova Film Festival, Alessandra Belgero, Riviera Film Commission. Je remercie également tous les partenaires, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission sur les régions italiennes. Et sans aucun doute, je veux remercier tout aussi D'Amico, Carlo Gentile, qui sont les idéateurs de ce projet qui fait connaître l'Italie. Avant de passer la parole au conducteur, j'espère que le public qui nous suit qu'il puisse enrichir sa connaissance à travers cette région, un territoire où se trouvent des sites qui appartiennent au patrimoine de l'UNESCO, cette terre où l'on peut voyager pour trouver tout un ensemble d'émotions qui vont des eaux de cachot, cocci, des vitres et à l'odeur de citron qui réussit à se détacher de la terre. Ce sont des citations d'un des plus grands poètes, Eugenio Montale, qui a gagné le prix Nobel pour la littérature. Et je commence donc ce rendez-vous qui est un rendez-vous très intéressant et qui nous fera connaître encore plus cette terre si aimée dans le monde entier. Je passe la parole donc au conducteur, à Carlo Gentile. Merci. Merci. C'est une ouverture de Nobel, vraiment. Permettez-moi tout d'abord de rappeler à nos spectateurs qu'à la fin de cette rencontre, il y aura la projection du film Onde avec Francesco Fei, le réalisateur qui nous introduira à son travail et à son activité. À ce point, Caterina D'Amico a la tâche d'introduire le premier de nos invités, Oreste De Fornari. À toi, Caterina. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, la Ligurie. La Ligurie est une terre qui, au cours des dernières 50 années, a donné à des personnages de grande envergure, de grande créativité qui ont influencé plusieurs secteurs. Je songe à la fonction de Teatro Stabile di Genova, lequel, avec son école, a produit beaucoup de personnages importants et qui a une grande tradition musicale. Nous avons dans la musique plus sophistiqué, très utilisé, une présence extraordinaire de musiciens de la Ligurie. Mais de par ma mémoire, j'avais du mal à trouver tout aussi nombreuses personnages cinématographiques. Et alors, mon ami Fornari, qui est une encyclopédie vivante, m'a aidé afin de combler cette lacune, afin qu'il puisse me persuader du lien entre la Ligurie et le cinéma, en mettant en exergue également les caractéristiques de la culture de la Ligurie qui a été transposée également dans des films d'auteurs de la Ligurie. La Liguria non ha dato i natali, non ha espresso dei giganti. La Ligurie n'a pas exprimé des géants du cinéma, mais c'est la patrie
veramente in Italia del desiderio du di cinema. Désir Genova de cinéma. Gênes avait une salle en moins par rapport à Londres. C'était une région, une ville pleine de spectateurs, de personnes passionnées du cinéma qui veulent de tout leur cœur le cinéma. Le dernier géant des réalisateurs est Pietro Germi, qui est né il y a un siècle, et bien plus qu'il y a un siècle. Après, il y a eu d'autres personnages, des acteurs, Gassman, Paolo Villaggio, mais il y a eu également des critiques, certains plus connus, d'autres un peu moins, et donc le désir de vivre le cinéma qui vit aussi grâce aux spectateurs qui parlent du cinéma et permettent aux autres de les aimer. Pourquoi et puis il y a la Ligurie comme toile de fond qui est fondamentale. Elle est peu connue et peu photographiée. Il y a des livres sur cet aspect, un livre qui est sorti il y a 10 ans, Gênes, la beauté de Gênes. C'est une ville qui est en montée, c'est les amours des pentes. Et en montant la pente, le paysage change, mais il faut avoir le courage de le faire. Et ça, là, le grand attrait. Il faut donc des réalisateurs qui sachent indiquer quels sont les sites les plus adéquats. Gênes est une ville de sites secrets. La perspective change constamment. Il y a les petites ruelles de la ville. Peut-être il y a des changements d'une classe sociale à l'autre. À 100 mètres de distance, il y a les grands quartiers. Ce serait amusant que de le raconter. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, pour introduire les titres, mais je ne peux dire tous les titres. Nous avons un public francophone aujourd'hui. Irène Clément, Les Moulins di Palapaga, qui est tournée dans le centre à Zurich, Jean Gabin. Et ça vaut le coup de le voir. Et puis, il y a toute la rivière d'Est et d'Ouest. La rivière d'Est, il y a seulement un titre à nommer des années 50 qui est peu connu, Racconti d'estate de Franciolini, avec Alberto Sordi. Et ça vaut la peine de le voir aussi bien du point de vue sociologique que touristique. C'est un film couleur, plein d'amertume. Racconti d'estate. Pour l'Ouest, le film le plus important, c'est La spiaggia de La Toada, avec Martin Carol et des acteurs parmi lesquels Raph Vallone. Côté comique, nous avons Alberto Bovi, incapable de faire du cinéma, c'est-à-dire qu'il rendait beaucoup au niveau de la télévision et du théâtre et très peu au niveau du cinéma. Dans les films, il s'avère être trop conditionné et rend peu l'esprit de liberté. Et puis, pour côté comique, vous avez quelque chose de Gilberto Nobbe. C'est un grand personnage. Nous avons un de nos invités qui doit nous quitter d'ici peu, et donc un changement de programme. Renato Venturelli a communiqué en 2011
un livre qui s'appelait I luoghi del cinema in Liguria. Venturelli est un écrivain, un journaliste et un critique cinématographique. Je lui passerai donc la parole. D'ici 14 minutes, il doit nous quitter. Donc, la parole à Renato Venturelli. Eh bien, tout d'abord, Gene, qui présente une variété considérable de sites, et elle a toujours été appréciée par les réalisateurs. Il y a la rivière d'ouest et d'est, il y a des centres comme San Remo, ou La Spezia, qui représentent des filières indépendantes. Puis, il y a le film à San Remo, il y a eu des festivals. Et puis, le casino, Giorgio Rasta également. Au début, aux origines du cinéma, la famiglia Baffa vivait à Sanremo et avait reçu la visite de troupes françaises qui commençaient à y travailler. Et voilà donc l'origine du cinéma de Mario Bava. À La Spezia, nous avons toute une série de films de mer militaire des années 40. Et puis, Musicarelle, une comédie des années 60 avec des marins et des militaires. C'est là un peu tout l'arc de la région. Gênes est bien évidemment l'endroit où il y a eu plus d'activité, surtout à compter à partir d'un film, Les Mura di Malaparte. Dans l'après-guerre, Clément, Jean Gabin sont venus tourner les Carruggi de Gênes à moitié détruits par la guerre. Et le film a fait voyager dans le monde l'image de cette ville qui était peu connue. Vous savez sans doute que Hitchcock a commencé comme réalisateur cinématographique à Gênes. Le premier film, la première séquence, le premier tchac de son film a eu lieu au Pleasure Garden en 1925 à Gênes, à la gare maritime de Gênes, dans des circonstances aventureuses. Il l'a plusieurs fois raconté, même parce que on lui vola son portefeuille, on lui saisit le film. Et lorsqu'il vint présenter Frenzy en Italie, il a dit à Gênes, on me vola 10 000 lire. Donc, les relations Hitchcock-Genova, Gênes, très courte et historique, car cela marque le début de sa carrière. Après quoi, les Mura di Malaparte donnent une idée noire, un imaginaire noir de Gênes. Puis, l'Acto Banditi qui célèbre la résistance de Gênes et qui fut produit par une coopérative de spectateurs. Syndicats, militants du Parti communiste ouvrier ont financé ce film. Il y avait Gina Lillobrigida et Andrea Chetti qui furent logés dans un hôtel, mais tous les autres techniciens, tous les autres acteurs étaient campés dans des situations très particulières pour une production cinématographique importante. Carlo Di Palma le rappelle, il est à ses débuts à cette occasion comme Ed,
du réalisateur. Ces deux films, en 49 et en 51, marquent la naissance de gêne dans le monde cinématographique. Cette image noire du centre historique de Carugi triomphe avec Castellari e Franco Nero. Sono ancora particolarmente legati a Genova e sono la polizia al servizio del cittadino, la polizia in crimine la legge assolve, il cittadino si ribella. Le citoyen se révolte, Mario Lanfranchi, un autre réalisateur lié à Gênes, Genova a man armata. Et c'est là que se développe l'image de la ville et les relations existantes entre le centre historique, le port et les activités industrielles. Et puis, la présence des rivières et de la partie interne, car une des caractéristiques les plus appréciées par les réalisateurs est la variété des paysages. Je dois vous dire qu'il y a également une autre considération. Souvent, les réalisateurs qui arrivent de la Méditerranée ou de Rome considérer Gênes comme la porte du triangle industriel. Gênes introduisait à l'Italie industrielle les ports, les grandes industries, les gazomètres de Little Cedar qui figuraient dans tous les films. Pour les réalisateurs qui venaient du Nord, Gênes était la porte de la Méditerranée. Il y a donc une double fonction de la ville qui a toujours existé. Il y a toutes les ruelles qui sont racontées comme si elles appartenaient presque à l'Afrique du Nord. Lorsque Thomas Kuff, un réalisateur suisse, vient à Gênes pour tourner son film, il la raconte comme une ville peuplée presque par des étrangers exclusivement, parce qu'il y a ce double regard. Gênes est la porte du Nord et la porte de la Méditerranée. Cela dépend de la perspective. Donc, il n'y a pas les jours qui sont toujours les mêmes. Non, c'est une autre chose dont les personnes se plaignent et d'autres l'apprécient. La variété des paysages est appréciée, mais la variété climatique aussi. Un jour, il y a le soleil. Un jour, il y a la pluie, le mauvais temps. Mais cette variété de la lumière est quelque chose qui a toujours été remarqué, même Franco Giraldi aussi. La lumière, une lumière qui change énormément. Je me souviens que Silvio Soldini a raconté une ville solaire, estivale, une impression physique, alors que dans Giorni e Nuvoli, un autre film qu'il a tourné, c'est une ville infernale, qui est l'autre revers, disons, de la médaille. Bien sûr, Renato, très jeune, tu as créé le Ciné Club Lumière, qui est devenu vraiment un rempart du cinéma. Mais tu appartiens également au comité de ce que Claudio Giorgio Fava a créé, le festival pour le doublage Voci nell'ombra,
Peux-tu nous parler brevement de cette initiative extraordinaire? Oui, c'est quelque chose de pionnier, parce que Claudia Fava inventa avec Bruno Stori le festival qui se tenait et nous, à Savona. Oui, à Finale Ligure, qui a été le berceau du festival pour 10 ans. Et c'était très beau parce que il y avait au moins une centaine de personnes qui se coupaient du doublage. Et puis le festival s'est déplacé, et a même par Gênes. Et depuis quelques années, grâce à Tiziana Guarino, qui a pris la direction du festival, il a lieu à Savone. Mais le festival, la naissance du festival est liée à Claudio Di Fava, à sa passion pour la langue, pour les mots, sa sensibilité phonétique. Et Fava a été un grand point de repère parce que le monde du doublage le connaissait très bien. Il a fait doubler beaucoup de films pour la RAI. Oui, mais il s'est agi d'un travail qui a continué pendant plusieurs années et à présent aussi. Oui, par exemple, parmi le palmarès des dernières années, les prix ont été donnés à Parasite. Oui, la direction du doublage, à Rhapsody également, beaucoup de doubleurs importants y ont participé. Et je crois la meilleure voix féminine et masculine. Je voudrais donc clôturer notre séance avec toi en parlant de l'avenir du cinéma en Ligurie. Quels sont les attraits, à part les paysages et la possibilité de tourner des films? Eh bien, j'ai parlé surtout de l'époque héroïque des débuts, lorsque les organisateurs et les spécialistes du secteur qui s'occupaient d'obtenir les permis pour les figurants. C'était un grand personnage, bien aimé, très aimé par les réalisateurs, parce qu'il connaissait très bien les personnages du milieu des Carruggi. C'est un détail important. Dans d'autres villes, il y avait des obstacles à pouvoir tourner librement à l'extérieur parce que dans certains quartiers, le milieu intervenait. Le commerçant se mettait sur la porte, on devait payer. À Gênes, grâce à cet organisateur local, le milieu était impliqué, participait comme figurant. Castellari rappelle que lorsqu'il tourna un film le premier jour, les équipements du directeur de la photographie ont disparu. Il le dit, et alors le chef du quartier fut contacté, et au bout de 2 heures, les équipements furent retrouvés. C'est quelque chose qui appartient au passé. Depuis 20 ans, il y a une film commission qui s'occupe sur d'autres bases professionnelles des différentes productions.
Et l'on est en train d'aller vers un développement de plus en plus important. Il y a à présent au moins 4 troupes différentes. Il y a des séries télévisées qui ont lieu. Une curiosité, eh bien, on me racontait pour Grace de Monaco, Nicole Kidman est venue et des retakes devaient être faits. Alors ils sont allés dans une zone un peu éloignée. Il y avait une ancienne fabrique qui n'avait pas de service hygiénique et donc toute la troupe devait se rendre auprès d'un petit bar tout près. Et alors le bariste, en voyant passer un jour Nicole Kidman et d'autres stars internationales, demanda simplement que pour son service, 15 euros par jour lui furent donnés. Et cette indifférence du caractère typique de Gênes devant les Star est une des caractéristiques les plus appréciées par les grandes productions. Parce que il ne faut pas opprimer les grands personnages vers les formes habituelles que l'on a vis-à-vis des stars. Merci pour ton témoignage. Nous avons encore 2-3 questions. Et Venturelli a lancé la Genova Film Commission. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je me rattache immédiatement à ce que Renato Venturelli vient de dire. Une des caractéristiques qui fait de notre région une région riche d'attrait, c'est que nous maintenons une privacy, un esprit confidentiel, et ceci est vraiment apprécié par les productions. Nous avons atteint un niveau élevé de production par jour et donc nous avons beaucoup de troupes qui chaque jour sont présentes de façon plutôt importante dans notre ville et dans notre région. Ce rôle nous est reconnu. On protège la confidentialité des personnes qui peuvent se promener sans service d'ordre. Les acteurs sont tranquilles et les réalisateurs sont tranquilles. C'est une des raisons qui, non seulement bien sûr, mais qui pousse à venir en Ligurie. Et il y a également la logistique. Nous avons amélioré tout récemment la structure qui a été renforcée en termes de professionnels et d'organisation générale. Nous avons donc pu tourner 211 productions en 2020, une période difficile, et en 2021, 150 productions à ce jour. Nous dépasserons ce que nous vous avons fait en 2020, qui avait déjà été considéré l'année de record, car la Film Commission est une des plus anciennes en Europe et en Italie. Nous avons atteint un niveau de production journalière et même pour ce qui est du développement économique, pour les séjours, le nombre de séjours au niveau de nuit, nous avons eu 5000 nuits en hôtel, un grand succès. La région était par ailleurs complètement bloquée, le lockdown. Donc, il y a un grand intérêt vis-à-vis de la Ligurie. Nous avons encouragé, promu depuis 3 ans, Liguria Terra da Fiction. Nous avons gagné ce brand consolidé. Actuellement, d'avril à mai, nous avons 4 séries
télévisé à Gênes. Et donc, on est en train d'atteindre des niveaux compétitifs au niveau national et international. Un grand succès, non seulement de Gênes, mais de toute la Ligurie, car elle est devenue riche d'attrait, mais aussi intéressante d'un point de vue économique. Plusieurs millions d'euros que l'on achemine dans notre territoire grâce au fonds Perfize et également pour l'audiovisuel qui ont donné un autre élan à ce territoire. Donc, au niveau de la production et au niveau également du cinétourisme. Merci. Je voudrais maintenant aller me déplacer vers la rivière avec Alessandra Bergero de la Riviera Film Commission. Born Identity, ma non soltanto questo, cioè questa macaia. In questo caso è una macaia favorevole. Est-ce que c'est quelque chose de favorable pour les productions cinématographiques, pour les documentaires, les spots cinématographiques et les courts-métrages? Nous avons commencé en 88-18 avec un tout petit stand. Oui, je m'en souviens, je l'ai inauguré. Et dès lors, nous savions que la Ligurie était une terre parfaite et les régions limitrophes aussi. Nous avons une variété de locations et qui est voisinante avec le Piémont qui offre des locations différente et très proche. Le cinéma ne voit pas de frontières, bien sûr. Et donc, cette proximité est essentielle. En travaillant en zone de province où il n'y a pas de techniciens, la proximité avec la ville est fondamentale. Nous avons travaillé surtout pour choisir les films qui appartiennent à l'imagination collective. Oui, les activités sur le territoire sont importantes, mais il est important de faire des films qui circulent. Inkart, Cuore d'inchiostro, par exemple, qui devait rester seulement une semaine en Ligurie. Mais il y a les film commissioners et ils ont changé d'idée et ils ont tourné tout le film en location. C'était un fantasy, leur programme était tout à fait différent et ils ont trouvé toutes les locations dans notre région, les services et une certaine facilité de transport. 40 camions, poids lourds, 400 personnes comme troupe, il faut également d'une zone qui soit à même de satisfaire ces exigences. Nos locations ont été reconstruites dans à Shepperfeld. Et il y avait vraiment à Shepperfeld l'odeur de Ligurie, la terre, pour reconstruire la location et pour faire des effets spéciaux. Ça a été vraiment le maximum. Là, on l'a vu vraiment reconstruite, des locations fameuses. Ils ont choisi un pays abandonné, des locations qui n'étaient pas fameuses. Merci. Alors, Caterina et Oreste. Eh bien, j'attendais Oreste pour répondre à la deuxième question que je lui ai posée. On a parlé de la Ligurie dans le cinéma. La Ligurie représentée par le cinéma qui a interprété elle-même
et aussi grâce à des endroits de fantaisie. Mais l'on n'a pas parlé, au contraire, de la liguritude. Qu'est-ce que c'est que la, l'âme de la Ligurie qui apparaît dans les films qui sont tournés en Ligurie ou qui est transposé dans les films tournés ailleurs par des auteurs ligures? C'est une question trop difficile. C'est une question qui devrait avoir une réponse négative. Le seul qui a transposé l'âme dans le cinéma tourné ailleurs, c'est Jeremy. Il a fait deux ou trois films anti-Sud les plus fameux du cinéma italien. Et il a même fait un film contre les Vénitiens pour égalité de chance contre les autres régions. Le seul, non, Fessari a fait des parodies, mais il n'a rien de particulièrement ligure dans ses films. Gassman, il était ligure peut-être, à raison de cette austérité dans la façon de jouer. On peut inventer n'importe quoi, mais il n'y a pas de fondement. Paolo Villaggio, un comique qui pourrait être également un personnage soviétique qui naît à Little Impianti, qui naît à Gênes. Mais dire qu'il y a un regard ligure dans le cinéma italien, c'est un peu trop. Mais quelles sont les caractéristiques ligures? La solitude, la méfiance vis-à-vis des autres, on dit également l'avarice. C'est un lieu commun qui a peut-être ses fondements, mais l'avarice et la tendance à être méfiant, à être à la solitude. Les Ligures n'ont pas fait les réalisateurs, mais ont fait les critiques, comme Fava, comme Ghezzi, comme d'autres, ont fait les spectateurs critiques, ont parlé des autres, ils ont parlé bien, ils ont parlé mal des autres réalisateurs. Et ça a été la chose plus géniale que Ligure ont fait au cours des 50 dernières années dans le secteur cinématographique, dans l'architecture, dans la poésie, Caproni, dans plusieurs de secteurs. Mais dire qu'il y a eu des grands ligures dans le cinéma, non. Mais il y a eu un grand public. Et quel est, c'est le cinéma qui les a nourris. Ça, c'est vrai, oui. Sans, comme dans l'Église, sans les fidèles, il n'y aurait pas les prêtres. J'aime cette comparaison. À propos de prêtres, je conclue. Un grand prêtre du cinéma a été Père Arco, un jésuite qui était hongrois en réalité, qui vivait à Gênes, qui a fondé le Cineforum, et qui était le père spirituel, le guide spirituel de Fellini et à Gênes. On dit qu'ils sont avares. À Gênes, il a créé une maison de production, la Star Film, qui a produit un film de Rossellini, La Notte a Roma, qui vraiment est allé mal et la maison cinématographique a fait faillite. Mais il avait été produit avec l'argent de Romanenko. Romanenko était des constructeurs. Ils ont mis leur argent et la résistance, vue d'un point de vue clérical, les partisans étaient des prêtres. Le seul fasciste était un prêtre qui avait abandonné sa mission, mais le film ne s'est pas très bien passé. Et voilà, et l'entreprise cinématographique a cessé là en 1960. Dans les images rapides que nous avons vues, Banditi, on reconnaît le jeune Montante. Oui. Tu as comblé ma lacune.
comme acteur filodramatique et cooptato. Et dans le film de Banditi, il devient aide-réalisateur. Et voilà que commence sa carrière. Oui, Montaldo, oui, un peu plus petit que Germi, mais vivant. Et il a donné sa contribution. Oui, c'est vrai, c'est un autre nom du cinéma de Gênes. Mais d'autres viendront d'ici les prochaines décennies grâce à l'activité de tous ces ciné-clubs comme de critiques comme Venturelli, Palozzi également qui a organisé ce festival, le Genova Film Festival. Ça fait 20 ans que l'on le fait. Tout le monde ne s'en est pas encore aperçu. Grâce donc à cette pépinière de talents, les prochains Fellini verront leur jour. Il y a eu un registre, un réalisateur théâtral, Marco Saccalunga, qui nous a quittés il y a un mois et qui était toujours présent dans les ciné-clubs avec ses amis. Il a fait de la télévision. Il voulait faire du cinéma, il me l'avait dit une fois. Mais puis il s'est affirmé comme... réalisateur théâtral. C'est à loi donc que je laisse la mission de lancer Monsieur Palozzi, mais il n'a pas besoin de présentation. C'est le fondateur, le directeur du Genova Film Festival qui existe depuis 20 ans et plus. Il le conduit, il le gère, il rassemble toutes les forces de tous les petits réalisateurs et moins petits, réalisateurs moins petits italiens. Il les présente au niveau de ce festival auquel tout le monde a accès. Il peut s'agir d'un bon tremplin et il a fait venir également les grands réalisateurs. Dis-moi quelques noms importants, quelques big. Eh bien, Oreste De Fornari a été donné une section. A quelques noms alors: Lando Buzzanca, Pupi Avati, Enrico Vanzina, Paolo Virzì, Luigi Locascio, Zanussi. Il se rappelait des Mure di Malapartaga et qui est sorti en Pologne, mais doublé de façon à ce que l'histoire disparaissait et une lutte entre stalinistes et anti-stalinistes apparaissait. Oui, avec le doublage, on peut tout faire. C'est un argument pour le doublage. Ci siamo indicati. Un po' di liguritudine, da parte di Montaldo anche grandi, nella gestione di grandi enti, dal David Donatello, le David de Donatello, Rai Cinema également sont des partenaires de cette aventure et Gina Montaldo parle toujours de Gênes. Et comme lo era peraltro Vittorio Gassman. Tout comme l'était Gassman. Lo ricordo, je le rappelle souvent, l'année après la notte, on a vu naître un hommage stable. Chaque année, on le réalise avec des collègues et des amis. Et par exemple, Mario Monicelli. Un grandissimo intervento fu une intervention fu di Dino Risi, di Furio Scarpelli, le Genova Film Festival s'occupe de cinéma italien. Il y a un concours de court métrage. Vous avez Claudio G. Fava qui était président du Genova Film Festival. Il nous manque beaucoup, vraiment. Vraiment. Vous avez là.
Nous n'avons jamais eu un cinéma à nous. Nous nous sommes déplacés dans 11-12 salles du territoire. Le Genova Film Festival est un événement qui compte 130 projections en une semaine, en même temps sur plusieurs salles, avec des grands invités qui présentent les films, mais qui font de l'information. Aussi, c'est une autre salle qui a toujours été pleine, remplie. Ça fait quelques années, il y a eu toute une série de protagonistes du cinéma italien qui racontent quelle était leur sensation à participer à ce festival. Pendant cette pandémie, nous ne sommes pas arrêtés. Pour nous, c'est difficile d'imaginer beaucoup de personnes fermées dans un cinéma. Giuliano Montaldo, voilà. Et un giovanissimo Cristiano Palozzi. Ti ho perso, scusa, non ti ho sentito. Pardon, mi ha pas entendu la question. Très, très jeune comme directeur. Oui, ce sont des images qui sont un peu datées. Nous avons oublié Luzzati, Emanuele Luzzati, qui est mort, un grand Genois, un grand scénariste. Nous avons organisé une rencontre avec Mario Monicelli, qui a été l'animateur de l'Armata Brancaleone. Nous avons fait beaucoup de choses. Cette période, c'est un peu difficile de travailler, la pandémie, et il faut réacquérir un dialogue avec les institutions qui, tout récemment, a fait défaut. J'aime rappeler également que nous nous occupons également de production. Nous avons gagné un concours de la FILS sur l'audiovisuel en Ligurie. Nous sommes classés premiers. Un projet sur le développement de la Ligurie pour raconter une force de la Ligurie, qui est de faire avancer des traditions centenaires comme la production de vin. Permettez-moi de rappeler qu'il s'agit également d'un vecteur de promotion du territoire. La viticulture dans les terrassements des Cinque Terre. Il y a beaucoup de locations intéressantes. Si cette émission veut être également une invitation à tourner à Gênes et en Ligurie, c'est une grande occasion. Nous avons contribué en faisant arriver à Gênes beaucoup de réalisateurs. Soldini, par exemple, un réalisateur important. D'une journée nouvelle, nous avons organisé également le backstage du film. Voilà. È stato il backstage, più premiato, direi, almeno per una decina d'anni, ricompensé par les manifestations du secteur. Un prix comme meilleur montage à la Casa del Cinema et bien d'autres prix. Vous avez là un instant où l'on voit Margherita Bui et Albanese qui jouent sous les portiques de notre ville. Ça a été un beau film également tourné qui nous a beaucoup impliqués. Une question un peu insidieuse. Donc, tu as parlé des productions en Ligurie. Tu es un réalisateur. Est-il facile de produire un film en partant de la Ligurie?
Non, ce n'est pas si facile. Il faut avoir une force d'âme. En Ligurite, le réseau est important. On rappelle qu'il y a beaucoup de producteurs, de réalisateurs qui travaillent dans ce secteur. D'autres manifestations ont vu le jour entre-temps. Un réseau est nécessaire. Un réseau qui est important. Si un petit morceau fait défaut, le réseau ne fonctionne pas. Il y aura à l'avenir la possibilité de faire beaucoup de choses ensemble, de faire ce réseau. Tu as fait donc un calembour en lançant Cristina Bolla. Donc, est-ce que c'est vrai? Donc, essayons de contredire le lieu commun de l'avarice. Nous avons oublié effectivement l'adjectif principal. Nous sommes tenaces. Ceci nous permet de travailler dans un territoire difficile, dont l'accès est difficile, plus compliqué que d'autres. On a parlé d'un projet que je connais très bien, ils sont tous financés par ce concours. Les autochtones, les pains autochtones qui sont gérés par des exploitations agricoles et les Cinque Terre, vous connaissez bien le terrain, et ce sont des personnes tenaces qui réussissent à aimer leur territoire malgré les terrassements et les difficultés. Je tiens à le dire, nous avons fait preuve d'être tenace. Nous avons le Ponte Morandi. Nous voulons partir de là. Nous avons été tenaces, pleins de volonté. Et nous avons réussi à réaliser un ouvrage pharaonique en peu de temps. La renaissance de Gênes, la renaissance de l'audiovisuel. On parlait de nouvelles générations. Nous avons un organisme de formation qui a été créé en partant d'une analyse des exigences des maisons de production. Quelles sont leurs exigences? En Ligurie, des professionnels sont nécessaires, même pour économiser, pour ne pas aller ailleurs. Nous sommes en train de satisfaire ces exigences. Nous venons donc conclure un projet d'un cours pour scénaristes qui a fait naître les scénarios du Centro Studi Amadeo. Notre esprit tenace est représenté par Amedeo Peter Giannini. Il savait jeter son regard au-delà. On disait que l'on n'a pas eu de grands talents. Stefano Pitaluga, Amedeo Peter Giannini, comme bailleur de fonds, qui a financé Walt Disney, Charlie Chaplin. Walt Disney naît grâce à notre citoyen. Il est important de comprendre que les Ligures savent aller au-delà. C'est une vision que nous avons, parce que nous avons une large perspective qui va de la terre à la mer. Et nous avons toujours navigué. Nous sommes de grands navigateurs. Cristiano a raison. Nous avons besoin d'un réseau cette année. Nous avons essayé de travailler à un autre secteur, celui du casting.
Nous avons créé la Production Guide pour réunir tous les professionnels du secteur. Maintenant, nous essayons de réunir tous les figurants pour donner ce dont les maisons de production ont besoin. C'est à nous de continuer ce grand travail de suivi des productions. Et donc, nous avons une contribution à faire voir, Francesco Fei, dont nous allons bientôt voir le film Onde. No, perdonami, oui, io pardon. Che dovevamo finire alle 7, perciò voilà. Alors, le film est présenté par son réalisateur. Tout le temps que tu veux pour nous raconter cette production, pour nous raconter ton activité et tes relations avec la Ligurie. Eh bien, je suis content que la Film Commission continue, existe et contribue aux productions. Je connais bien Gênes. Gênes est une des villes les plus cinématographiques. Ceci est un fait à raison justement de la variété. En 2003, j'ai tourné à Gênes. C'était une ville qui, dans les années 70, a accueilli le G8. Dans les années 70-80, il y avait une vision architectonique très contemporaine. Le film devait être tourné à Londres au début, mais la seule ville qui pouvait tenir la comparaison avec Londres était Gênes. Le film est un petit film que personne n'a vu, mais qui était très particulier, très courageux, hors des systèmes, autoproduit, qui n'a reçu un sou de l'État. Et il avait une force, même un peu de naïveté. Nous avions de très bons acteurs, Ignazio Liva, Caprioli. Et puis, aussi, Gênes. Morandini disait que c'est le plus beau film tourné à Gênes. Je ne sais pas si Onde figure encore dans les dernières éditions, mais Morandini disait ceci. Objectivement, à l'époque, nous avions tourné également à l'aquarium, qui n'était pas l'aquarium planétaire qui existe à présent. Il y avait beaucoup de choses particulières de Gênes, les Carruggi. C'est une grande ville, et puis c'est vrai. Dans les Alpes-Maritimes, j'aimerais bien tourner. C'est une invitation alors ad Alessandra Bergero. Je voudrais également que tu fasses allusion à ton activité qui est en train de continuer. Oui, oui. Le film est d'il y a beaucoup d'années, puis l'idée de rester à Milan, j'ai donc un peu ralenti avec le cinéma. J'ai fait des documentaires sur Caravaggio, sur la Regina di Caserta également. Et vous le trouvez sur Rai Play. Et puis celui-là, qui est un film fait après beaucoup d'années, Mi chiedo quando ti mancherò, qui a été présenté en 2019, parce qu'après il y a eu le lockdown, bien sûr, et puis il sortira d'ici un mois, finalement. Il prendra le vol et qui est tourné en Sardaigne. Oui, c'est vrai, il s'embarque dans le port. Il y a une très belle scène dans le port de Gênes.
C'est une des scènes, ils s'embarquent et partent pour la Sardaigne, pour cette fuite en the road générationnel d'adolescent. Oui, j'y reviens toujours très volontiers à Gênes, c'est une merveille. Nous t'attendons alors. Bien, nous sommes très contents de cette déclaration d'affection, surtout par un homme de Florence, comme l'on peut remarquer. Mais Gênes est plus belle comme cinéma. Oui, d'un point de vue cinématographique, Gênes est plus belle, je dois l'avouer. C'est une merveille. Oui. Oui, je suis florentin, je suis orgueilleux de l'être, mais je dis que Gênes est une belle ville, surtout d'un point de vue cinématographique. Et mes compliments pour votre travail. Alors, nous te laissons aller, nous te remercions encore une fois d'avoir attendu patiemment jusqu'à présent. Je dois tout d'abord parler avec Christina Bolla. Tu peux faire l'introduction à ce film de 5 minutes, introduction à ce grand personnage. Oui, après plusieurs années, nous avons réalisé ce centre d'études, une fondation consacrée à Giannini. Giannini est un personnage transversal connu au niveau mondial puisqu'il a été le fondateur de la Bank of Italy et nous le mettons en exergue comme homme, comme philanthrope qui a donné à des créatifs tels que Walt Disney, Charlie Chaplin et bien d'autres la possibilité de réaliser leurs rêves. En outre, Giannini finança le Golden Gate Bridge. Il y a donc un double lien, même de ce côté-là, en analogie avec notre pont, bien sûr, San Giorgio Genova. Et donc, en 1870, l'on raconte qu'il était déjà dans le ventre de sa mère en voyage vers la Californie et a maintenu un lien très étroit avec l'Italie en général, non seulement avec Gênes. La fondation Nimspin a une envergure nationale et internationale puisqu'elle veut mettre en relief le Made in Italy pour ce qui est justement des personnages liés à l'audiovisuel, mais en général aux personnages créatifs, à l'industrie créative. Merci. Nous avons dépassé le temps à notre disposition. Donc, on fait voir le film maintenant. Mi chiamo Amadeo Peter Giannini. Peter, non Pietro, perché sono nato negli Stati Uniti d'America nel 1870. Amadeo perché i miei genitori erano italiani. Emigrarono in California partendo da un paesino sulle montagne di Genova. Ho ancora una casa lassù, quella dei miei nonni. Una casa fatta di pietre e sabbia, alla maniera della povera gente, dei contadini, che popolavano quelle montagne e che sono partiti per cercare lontano la loro terra promessa. Avevo 7 anni quando ho visto morire mio padre, ammazzato per un dollaro. Nessun uomo dovrebbe morire per un dollaro e per questo ho fondato la mia banca. La Bank of Italy, la banca di tutti gli italiani d'America. Che poi è diventata la Bank of America. Per prestare soldi non volevo garanzie, volevo vedere le mani di chi me le chiedeva, vedere se fossero mani oneste e sincere, mani che lavorano. Guardavo negli occhi quegli uomini seduti davanti a me e capivo. Vedevo il loro futuro. Oggi la chiamano vision, la visione.
vedere prima degli altri cosa succederà, dove andrà il mondo. Come per il Golden Gate di San Francisco, il ponte che nessuno voleva costruire, perché solo un pazzo poteva pensare a un ponte senza cemento. E invece è ancora lì, solido, maestoso, simbolo di una città e di una nazione. Anche a Hollywood mi hanno dato del pazzo. Ho scommesso su film che nessuno voleva produrre, come Il Monello di Chaplin, già famoso come comico. Chaplin voleva raccontare la storia di un orfanello salvato da un buffo vagabondo senza un soldo. Come poteva incassare un film così triste? E invece stupì il mondo, diventando uno dei successi cinematografici dei primi anni venti. E poi Biancaneve e i Sette Nani di Walt Disney. Nessuno voleva finanziare un film diretta da un acerbo disegnatore di fumetti. Da quel momento Walt Disney avrebbe fatto sognare tutti, non solo i bambini. Un giorno bussò alla mia porta un regista americano nato a Palermo, Frank Capra. Era già famoso, ma nessuno voleva finanziargli la storia di un uomo che vuole suicidarsi ed è salvato dal suo angelo custode. Io invece ho condiviso la sua visione, l'ho guardato negli occhi e il suo sogno è diventato il mio. Così è nato La vita è meravigliosa con James Stewart. Sì, la vita è davvero meravigliosa. La mia è stata difficile, una strada polverosa, fatta di pietra e sabbia, piena di buche e strettoie, ma che alla fine mi ha portato lontano, mi ha portato a casa. Genova Film Commission, ce personnage qui n'est peut-être pas très connu, mais qui a contribué énormément à l'histoire du cinéma. Il est 19h12, je dois absolument m'approcher de la conclusion et je m'excuse de ce retard avec nos spectateurs. Nous avons encore la contribution qui a été tourné en 1989 pour les championnats de football de 1990. Je donne la parole à Caterina D'Amico et puis la conclusion à la directrice, Madame Caller. Oui, nous donnons tout de suite la parole à la directrice puisqu'il est tard et nous allons nous revoir la semaine prochaine. Merci à tous nos invités. J'espère que cette rencontre de ce soir a été une rencontre qui est allée au-delà des mots, des propos, une invitation à la collaboration et une invitation à réaliser des projets ensemble. Je pense qu'il s'agit d'un territoire important et je m'engage personnellement avec Madame D'Amico et Monsieur Gentile à lancer l'écho de la Film Commission en Ligurie, ce pays qui est très intéressé aux productions cinématographiques. Je souhaite une bonne vision de ce film qui nous permettra de comprendre encore plus que la diversité n'est pas une limite, mais une richesse. Bonne vision. Et je passe la parole à Gentile. Merci, Madame la directrice. Merci à Madame Bola, Madame Bergero, Fornari, Palozzi pour leur contribution. Et je vous laisse aux images tournées par Fay
à la toada et puis aux images de Fay. Merci et nous allons nous revoir la semaine prochaine. Genova, ieri, oggi. Genova, nata di fronte al mare, elemento vitale alla sua economia mercantile e chiusa alle spalle dalle montagne, ha sfruttato anche il più piccolo spazio del suo territorio. Il centro storico appare così compresso, con vicoli stretti, i caruggi, dove fenditure di luce penetrano a malapena tra le case, i cui tetti paiono toccarsi. Visitata da Stendhal, Dickens, Byron, Gogol, Flaubert, Valéry, è patria del poeta Eugenio Montale. La cattedrale di San Lorenzo. Genova, potente repubblica marinara, dominerà il Mediterraneo e intraprenderà l'esplorazione dei mari con i suoi grandi navigatori. Il più famoso, Cristoforo Colombo, ciò che resta della sua casa. Antichi approdi per le galee. Tra il 500 e il 600, la città vivrà anche uno sviluppo urbanistico eccezionale. I nobili, in una gara politico-estetica, associeranno alla magnificenza esterna dei palazzi e dei giardini quella degli interni, dove l'oro celebra la loro potenza. Ecco come Magnasco, grande pittore genovese, li ritrae a conversare, a bere il caffè, a giocare a carte. Van Dyck e Rubens entrano nelle loro dimore. Anche le curiosità attirano l'attenzione dei signori. Niccolò Paganini, genovese, scrive a un amico. A Genova nasce Giuseppe Mazzini. La città, crescendo, ha sempre più bisogno di spazio e incastra, come in questo caso, un cubo di vetro tra nobili costruzioni. Genova, oggi. Nascono le autostrade sopraelevate. Un lungo percorso unisce la città da Levante a Ponente e le case s'affacciano sul mare.
cuore pulsante della città, rimane il suo porto. Thank you.